I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que ça va bien, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau, je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ah, oh, ça va très bien, et toi donc? Yes, ça va super bien, super bien. Aujourd'hui, mon Ben, on a une émission spéciale, puis honnêtement, ça fait longtemps qu'on voulait la faire, puis on a décidé qu'on allait la faire sous forme d'improvisation. C'est un lutteur qui nous a fait vibrer, qui nous a fait triper, qui nous a inspiré. Un des meilleurs lutteurs canadiens de tous les temps, je te dis. Yes, il s'agit du défunt King of Hearts, Owen Hart, et voilà. Mais donc, avant de continuer, j'aimerais aussi, pour ceux qui ne le savent pas, hier, on était le 17 mai et ça a marqué une date marquante parce que ça a été le décès du grand superstar Billy Graham après plusieurs années de problèmes de santé. Oui, exact. Comme tu disais si bien quand on s'est jasé cette semaine, sa vie, ses heures étaient... Comment tu m'as dit ça? Ben, ça faisait plusieurs années qu'il vivait sur du temps emprunté. Oui, c'est ça. Je ne veux pas être plate, mais c'est ça pareil. Yes, c'est pas 2002 qu'il avait des problèmes de santé. Oui, ouais, vraiment. Il avait été amputé à... les orteils. Les orteils. Puis transplantation du fouet. Hépatite C. Ouais. Exact, exact. Et puis, je pense honnêtement que Dieu ait pitié de son âme. Le monsieur le mérite. Là, il a souffert beaucoup, beaucoup. Mais, tu sais, en haut, là, il est en haut à ce temps. Il va veiller là, sur les bons lutteurs. Là, puis yes. Il va porter chance, je pense. Et puis, revenons à nos moutons. Donc, on voulait parler de Owen Hart, l'un des lutteurs canadiens qui nous a inspiré le plus. Par son agilité, mais aussi par sa technique. On se souvient à une certaine époque que Owen vient de la grande famille, de la famille Hart à Calgary. Le plus jeune d'une famille de 12 enfants. Il était 8 gars, 4 filles. Tous les gars, c'était des lutteurs. Puis toutes les filles étaient mariées avec un lutteur. Fait que, c'est une grosse famille de lutteurs. C'est ça, chaque membre était impliqué dans la lutte. Yes, là, puis la famille Hart avait non seulement beaucoup d'enfants, mais aussi, il y avait beaucoup d'animaux. Il semblerait qu'à la maison, ouais, il y avait ouais. Jean Crougeau autant parlait de, ça, ouais. De chats qu'il y avait. De... Bref. C'était l'Arche de Noé, quasiment. Oui, c'est ça. Puis dans le sous-sol, il y avait le fameux donjon, le Dungeon of Hart de Stu Hart, légende de la lutte canadienne, qui s'est occupé à plusieurs années à Calgary du Stampede. À Calgary, dont plusieurs grands lutteurs Canadiens, Québécois ont lutté. Ouais, les Américains aussi. Oui, il y a eu les Vachons qui ont travaillé là. Les Leduc. Les Leduc ont travaillé là. Il y en a plusieurs. Là, ben, les British Bulldogs, Brian exact, Pillman. Exact, exact. Bad News Brown. Oui, Bad News Allen à l'époque. Oui, ouais, exactement. Et puis, il y a eu Owen qui a sorti un peu du lot et son frère cadet, Bret Hart, que tout le monde connaît très bien, dans le fond. Et puis, Bret et Owen... C'est ceux-là qui ont le mieux percé dans le business. C'est ça, exactement. Les deux meilleurs, c'était eux autres. Les autres frères, ils étaient pas mauvais, mais... Tu sais, Owen et Bret, c'est une coche au-dessus. Ça, c'est à peu près comme quand tu parles de hockey. Là, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, c'était une coche au-dessus de Sidney Crosby pour Ovechkin, selon moi. Yes. Excusez-moi. Et puis, dans le fond... Brett a commencé bien avant, dans le fond, Owen Hart, vu qu'il était un peu plus vieux, à la WWF. Je parle ouais, bien, là. Ouais, bien sûr. Et puis, de fil en aiguille, on a vu apparaître Owen Hart dans le circuit de la WWF avec Coco Beware. Ouais, mais là, avant, par exemple, c'était le Blue Blazer. Oui, c'est vrai. C'était un super héros, puis malheureusement, il jobait tout le temps. Il n'aimait pas trop ça. Puis dans sa biographie, j'ai vu un moment donné, ça a l'air qu'il a dit ça à McMahon, je suis tanné de faire ce personnage-là. Puis là, McMahon, il a dit, t'as le choix entre jobber ou bien sacrer ton camp. Puis il a sacré son camp.
il aurait voulu genre être enseignant ou pompier, mais sa candidature comme pompier de Calgary n'a pas été retenue. Fait qu'il s'est relancé dans la lutte, si on veut. Là. Puis, ben, il a fait un peu comme le tour du monde, le Japon avec le Blue Blazer, puis tout ça. Puis, la vieille WCW. Ouais, fait que, il a passé par la porte arrière pour finalement revenir à la WWF en tant que The Rocket Owen Hart. Ouais, puis c'est ça, il faisait la New Foundation avec Jim Neidhart, parce que la Hart Foundation s'était séparée. Ouais, c'est ça. Tu sais, Bret Hart, il a monté vraiment. Puis Jim Neidhart, ça a été un peu le Marty Jannetty. Ouais, c'est ça. Puis on fait la New Foundation. Dans les premiers WrestleMania, la Hart Foundation était très puissante. De 2 à 7, WrestleMania 2 à 7. Qui était managé par Jimmy Hart. Quand il était heel, mais quand il était face. Ouais, c'est ça. Et puis. Deux championnats du monde par équipe. À un moment donné, Jim Neidhart s'est comme retiré un peu du. Coco Beware qui est venu remplacer. Ils ont vu que Brett était meilleur que Jim Neidhart. Ils ont fait monter Brett et Jim Neidhart. Ils l'ont laissé low carder un peu. Ouais, c'est ça. Puis là, Owen Hart, quand il est arrivé, ils ont fait la New Foundation. Ouais. Tu sais, voyons, Royal Rumble 92, le match contre Orient Express, il est très bon. Oh, ouais, c'est excellent. Jim Neidhart a pris le hot tag, mais ça fait partie de la game. Yes. Et puis. Ben après ça, dans le fond, Owen a rivalisé avec son frère, dans le fond. Peux-tu expliquer un petit peu pourquoi? Juste avant, il y a eu High Energy avec Coco Beware, ouais, comme une équipe qui n'avait pas trop d'avenir, si on veut. Parce que Jim Neidhart était parti, fait qu'ils ont fait faire en équipe avec Coco Beware. C'était comme la succession, dans le fond, de la New Foundation. Si on veut, ouais. Qui ont remplacé le personnage de Neidhart par Coco Beware parce que c'était les mêmes costumes, la même toune, le même genre d'énergie un peu. Là. C'est un peu comme ils ont fait avec les Rockers à un moment donné. Ils ont remplacé Shawn Michaels, puis ils ont rajouté Liv Cassidy, qui est Arsenal d'ailleurs. On l'a eu en entrevue, on vous invite à aller à très visionner, bon c'est super cool. Et puis. C'est ça, là, McMahon a proposé, parce que Owen Hart voulait comme sacrer son camp parce qu'il était tanné de jobber. Là, McMahon, il a proposé, regarde, tu vas virer Hill, tu vas avoir une feud avec ton frère. Tu vas être le petit frère jaloux de ton frère qui a plein de succès, dans le fond. Puis ça a mené. Puis ça a vraiment super bien fonctionné. Puis au SummerSlam 1994, ben, ils ont comme un peu closé la boucle de leur rivalité un peu. Puis WrestleMania 10, là, c'est tout, c'était bon. Ça s'est passé avant. Là. Yes, c'était un excellent combat. Et puis, il y a eu aussi le fameux King of the Ring 94 aussi. Ça a été une très grande année pour Owen Hart. Je vais poser la question aux auditeurs. Vous pouvez répondre dans les commentaires. C'est quel match qui l'a fait sortir de l'ombre de Brett? Est-ce que c'est le match à WrestleMania 10, la victoire contre son frère Brett, premier match à WrestleMania 10, ou quand il a viré King of the Ring 94? C'est lequel de ces deux matchs-là qui l'a vraiment fait sortir de l'ombre de Brett? Ben, vous pouvez répondre dans les commentaires, les amis. Yes! Et puis, par la suite, ben, en 94, comme je disais, il a remporté le... King of the Ring. Le King of the Ring. Et il s'est autoproclamé le King of Hearts. Ça l'a suivi pas mal, dans le fond. Et puis, il avait gagné aussi, je pense, en 95 ou en 96, il avait gagné un Slammy Awards. Oui, en 96, puis ça l'avait suivi. Il se promenait avec son Slammy. C'est 2-3 Il a été aussi champion intercontinental. Champion par équipe avec Yokozuna à deux reprises. Oui. Une fois avec le British Bulldog, puis une fois avec Jeff Jarrett. Yes. Et puis, on se souviendra là qu'ils ont eu des très grandes rivalités avec les Smoking Guns, oui. Avec qui a eu d'autres aussi là, de mémoire. Ben, les Smoking Guns, c'est à WrestleMania 11, parce que son partenaire mystère, c'était le retour de Yokozuna. D'ailleurs, vous irez voir l'émission sur Yokozuna, une émission très intéressante. Yes. Et puis, ben, Owen, dans le fond, par la suite, a eu une rivalité en single pas mal dans la période de l'Attitude Era avec Ken Shamrock. Tu te souviens, il y avait eu un combat, il y avait eu plusieurs combats. Genre de match Lion's Den qu'il appelle, un match de UFC dans une petite cage. Oui, il y a eu le fameux match dans une petite cage, puis il y a eu aussi le combat qui ont été tournés à Calgary dans le donjon de Stewart. Ça, à Folie Loaded 98. Oui, c'est ça. Puis à SummerSlam, là, c'était le Lion's Den. C'est ça, exact. Puis honnêtement, il nous a tout le temps fait capoter. Il était le fun d'avoir lutté, puis il avait un beau charisme. Il avait une belle énergie sur scène. Puis Shamrock a montré toute son agilité et sa technique. Ouais. Il était pas rouillé de la UFC, il avait encore du exact. Talent. Puis, très belle fioul. Il a lutté aussi, si ma mémoire est bonne, avec Dan Severn.
Ouais, il avait pas failli péter le coup comme un constable. C'était ouais, c'était ouais, storyline. Ouais, ouais. Exact, exact. Puis tu te souviens, en 97 ou 98, il avait pété le fameux coup à Austin. Ouais, 97. Avec un sit-down Paul Driver. Ouais. Tombstone Paul Driver. Puis il avait sorti des chandails. I just broke your neck. I just broke your neck. Owen, 3h16. Hey, ça l'a. C'était tout qu'un personnage, honnêtement. Puis, par la suite, dans le fond, on parlait de 1998. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux parler de Owen? Ou, Ben là, 1998, c'est ça, c'est la fameuse R attitude. Tu sais, Owen Hart, ça avait beau être un Christy de bon lutteur, mais il y avait pas de. Ça prenait. Dans l'air attitude, ça prenait un personnage coloré, tu sais. Comme un gars qui a envoyé chier son patron, un peu comme Austin, comme un embaumeur comme Undertaker, un pimp comme le Godfather. Mais tu sais ça, au One-Up, il y avait un autre personnage qui sortait de l'ordinaire. Fait que, là, ils avaient proposé la fameuse feud d'amoureux avec Debra. Okay. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas passer pour le gars qui trichait sa femme. Mm-hmm. Fait que là, ils ont dit, là, tu vas refaire le Blue Blazer. Ça prenait un personnage coloré. Puis ouais. Mais c'est une affaire humoristique. Là. Il voulait, c'était de parodier Sting là, dans son entrée. Ouais, ouais. C'était ça, c'était le super-héros acrobatique maladroit un peu. Là. Yes, puis ben malheureusement, on se souviendra que lors de Fully Loaded... Ah, c'était Over the Edge. Over the Edge, 1998. 99, mais c'est quand même weird que le show s'appelle Over the Edge. Ouais, ça c'est... Il était contre le Godfather. Il était censé. Il était censé d'être contre le Godfather. Ouais, et puis le harnais de M. Hart a lâché pendant son entrée, qui était très acrobatique. Et puis, malheureusement, il a fait une chute d'environ 20 de mètres. Et puis, il s'est fracassé la tête sur... Ils ont tenté de le réanimer pendant une couple de minutes. Après ça, le gars-là s'est poursuivi. Ça, on peut le reprocher à McMahon. Ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, j'ai toujours une question qui me chicote. C'est comment ça se fait que c'est une mort accidentelle? Comment ça se fait que la police n'est pas arrivée là? Non, tu cancelles le show, là. On mène l'enquête. Ouais. McMahon, as-tu donné un pot de vin à la police pour qu'elle ferme sa gueule? Ou, Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Owen n'est pas mort sur le coup. Non, mais quand même. Il est mort, dans le fond, dans le transport de l'amphithéâtre à l'hôpital. Oui, mais la police, on veut. Tu sais, les autorités compétentes, ils ont bien dû être au courant de ça. Monde qui dormait là. Tu sais, ma sœur, mettons, tu sais, c'est un gros hôpital, la Kansas City. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas un gardien de sécurité ou une police qui était pas là et qui s'est dit où est-ce que ça s'est passé. Là. Hey, c'est Warner, je le reconnais. C'est arrivé à Camper, ça, Arena. Comment ça se fait qu'ils sont pas arrivés là, mettons, avec l'FBI, n'importe quoi, puis qu'ils n'ont pas dit, non, McMahon, là, tu cancelles le show, on mène l'enquête. Ben, c'est parce que ça s'est tellement fait vite que, ouais, tu sais, le temps que, genre, tu sais, il était pas... C'est la police qui a le dernier mot. La police, ça se déplace sur une scène, ils ont le dernier mot, là. Gatigas, situé, c'est moi qui mène, je suis la police. Non, je le sais, mais tu sais, dans le fond, Owen Hart, le combat, là, c'était pas un des premiers, mettons. C'était le troisième, c'était censé être le troisième. C'est ça, tu sais. Fait que, mettons, le temps que, genre, qu'il ramène en arrière... Le quatrième combat, c'est fait. Le cinquième, mettons. Début du cinquième, ils ont embarqué dans l'avion. Ils ont embarqué dans l'ambulance. Sixième, le temps de se rendre à l'hôpital. Il est mort là. Septième. Tu vois, le show est fini. Tu sais, c'est... Ouais, mais là, la distance entre le Kemper Arena et l'Arena, ça doit pas être... ça doit pas être comme show de 45 minutes, mettons, de descendre d'ici jusqu'à la Montmagny. Ça doit pas être ça, la distance, je pense. Non. Ça doit être gros max 10 minutes. Puis l'ambulance... Quand ça se met ses flashers, ça roule, là, ça passe sur la rouge. Il y avait peut-être du trafic, là, comme avec Bruiser Brody, là, je ne sais pas. Là. Ah, je ne sais pas trop, mais c'est louche quand même. Tu sais, moi, j'ai... Parce que ça, Jim Cornette, il en parle dans le Dark Side of the Ring. Là. Il aurait dû canceller le show drette là, puis la police aurait dû faire son enquête drette là. Ah, c'est sûr. Je ne veux pas mettre en question les compétences des autorités compétentes, c'est pas ça. Mais je ne comprends pas pourquoi que le gars-là s'est continué, puis que McMahon est entêté à pas canceller le show. Ah, tout à fait. C'est juste ça. C'est... Là. Comprenez-moi bien, puis comprends-moi bien. Non, je tout à fait d'accord avec toi, mais bon, c'est it is what it is. Là, malheureusement, le mal est fait, comme on dit. Puis tu parlais de Martha tantôt avec moi en privé. Tu voulais parler que Martha avait sorti des trucs un peu plus C'est ça, là, techniques après plusieurs années. Là. Après plusieurs années, après funérailles, disons. Là. Mm-hmm. Après funérailles, elle s'est envolée vers Kansas City, puis elle a amené sa petite enquête. Puis
Elle s'est rendue compte que le mousqueton, c'était un petit mousqueton cheap là, qui tenait le harnais. Là. Ouais. Un petit mousqueton que tu fais rien qu'une petite affaire de même et ça ouvre. Mais non, ça n'a pas de sens. Une très légère pression. C'était bon pour les affaires type voilier, les bateaux type voilier. Ça, j'ai vu ça quelque part. Là. OK, OK, mais tu sais, ça reste que le gars pèse 250 livres. Tu peux te faire mettre plusieurs des mousquetons? Parce qu'en gros, là, c'est comme un petit mousqueton que tu mets des clous, là, genre. Là. Ouais. C'était tout ce qu'il y avait pour supporter Owen Hart, c'était ça. Là. Une petite cochonnerie de même. Non, ça marche pas. Sur un corbe, une courroie, sur un harnais. Ben non, ça marche pas. Il y a eu une négligence, ça, c'est sûr. Une négligence, tu sais, je pense à. Je fais des parallèles, mais tu sais, Gene Simmons, pendant ses shows, il y a une scène où est-ce que pendant God of Thunder, il est accroché avec un harnais, puis ouais. Il monte en haut de la scène, puis finit sa chanson en haut. Mais crime. Ils prennent le temps d'y mettre un genre de veste qui rentre aussi entre les jambes. Un deuxième harnais, si on veut. Ben, c'est ça, là. Il y a vraiment, il y a comme un. C'est comme en parachute. En parachute, t'as toujours un deuxième parachute, ça a l'air. Ouais. Fait que là, à Star, probablement, c'est ça qu'ils font. Ils mettent un deuxième harnais pour être sûr. Ben, en fait, ils devraient en avoir plus que deux harnais. Non, mais c'est ça. Ben, bref, tout ça pour dire que, tu sais. C'est même dans Carnival of Sins, là, Tommy Lee, son solo de drum, il y a un harnais, mané, tu sais, il jump des heures. Pis... Ouais, c'est sûr. Sont tout le temps attachés. Là. Parce que ça a l'air, c'était une compagnie qui était avec. Qui ont fait des shows avec Elton Jones, puis le Cirque du Soleil, si je ne me trompe pas. Là. Ah ouais. Et c'était censé être bien organisé. Là. Puis il y a des hypothèses qui disent qu'aussi, il y en a qui auraient fait par esprit pour. Il y aurait eu des pots de vin pour comme slacker les harnais. Je ne sais pas trop. Mais en même temps, c'est weird parce que Owen Hart avait une réputation. D'être aimé par tous en arrière, puis de faire des jokes aux gens, puis tu sais, c'était pas des jokes déplacés comme les British Bulldogs, mettons. Là. Cette soirée-là, il filait pas comme il filait d'habitude, apparemment. Hein. Tu sais, il en parle dans le Dark Side of the Ring, son petit gars, il va le reconduire à l'aéroport, puis la dernière chose qu'il disait à son petit gars, prends soin de ta maman et de ta petite soeur. C'est la dernière chose qu'il disait à son petit gars. Est-ce qu'il sentait ça venir, je sais pas, là, mais. Tu sais, la vie, c'est bourré de coïncidences. La vie, c'est un film, comme il dit. Hein? Ouais, c'est ça. Puis des fois, tu sais, c'est là, je ne veux pas rentrer dans des histoires abracadabrantes qui n'existent pas, mais tu sais, on a tellement vu des rumeurs à propos, tu sais, comme Michael Jackson qui supposément est mort. Puis que, pas la première fois que tu en parles. On ne le saura jamais vraiment, tu sais, es-tu vraiment mort? C'est sûr que les gens l'ont vu tomber, fait que tu sais, t'as une cascade ratée, puis ça l'a fait tous les journaux. Fait que j'imagine que, t'sais, comme Elvis, il y en a qui disent qu'il n'est pas mort, tu sais, mais... Puis vous irez voir aussi la fameuse conférence de presse de Vince McMahon. Vince McMahon, je dis pas qu'il est coupable, mais il a l'air sa défensive. Surtout quand il disait à votre femme, votre tombe déplaît, là, puis... Ah, c'est sûr. Il a peut-être posé une question qui a touché une corde sensible. Ben, c'est sûr. T'sais, des fois, on se demande... Puis ça, est-ce que le décès d'Owen Hart s'est fait... Il s'est fait après le screw job. Ah ouais, ben après. Mais ça, je pense pas que pour faire chier Brett, il ait fait. McMahon, c'est pas un meurtrier quand même. Il a beau, ça doit être un crosseur comme plusieurs le disent, mais je pense pas que. Ben, c'est bizarre la coïncidence, pareil. Ouais, c'est sûr. Mais... Il y a combien de temps entre le screw job? Il était en 98, c'est ça? Le screw job, c'est en novembre 97, Survivor Series. 97, ouais, il y a 2 ans. Puis là, mettons un an et demi. Un an et demi entre les deux. Ah, c'est une coïncidence, à mon avis, là, mais tu sais, ça reste que. Selon moi, en tout cas, moi, ça a été mon préféré. Il était dans mon top 2-3 des meilleurs, moi aussi, là, que j'ai vraiment trippé. Puis moi, je me souviens très bien la place où est-ce que j'étais. Je me souviens, on était au secondaire ensemble, puis on s'en parlait justement. Je peux même te dire où est-ce que j'étais. Ouais, j'étais dans le corridor, j'étais en train de dessiner dans mon agenda, puis. Tu étais venu t'asseoir à côté de moi. On s'en allait en cours de français. On avait une journée pédagogique le lundi. Mais ce soir, on s'en était parlé le mardi, si tu parles là. On avait une journée pédagogique le lundi parce que c'était la fête des Patriotes, il me semble. Ouais, ouais. 23 mai, ça concordait. C'est ça. Bref, c'est un an après le décès de mon frère. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, mon frère est mort le 22 mai quand même, mais le 23 mai, je trouve ça un drôle de hasard, pareil. Hein. Brian Pillman qui est né le 22 mai aussi, en 62. Ouais. C'est spécial. Tout ça pour dire que, dans le fond, la vie tient à un fil, fait que c'est important d'en profiter puis de profiter au maximum de toutes les belles opportunités qui s'offrent à nous. Puis la vie peut nous être enlevée en claquant des doigts, comme on dit. Je peux parler de quelques récompenses du Pro Wrestling Illustrated. T'aimes oui, ça quand je le blogue?
Ben, en 1987, il a été élu le Rookie of the Year, la recrue de l'année, yes. Le meilleur débutant. Bon, on ne prend pas plein de décisions. Puis en 94, ça a été élu la Feud of the Year, la rivalité de l'année avec son frère Brett. Toute une feud. Là. Ah oui, tout à fait. Deuxième Most Hated Wrestler of the Year en 94. Le premier, ça a été Bob Backlund. Oui. Oh, Owen, c'est une personne qui nous a fait triper, honnêtement. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur le défunt Owen Hart. J'espère que vous avez apprécié ces quelques moments avec nous. Honnêtement, nous, ça nous a vraiment fait plaisir de parler du King of Hearts, Owen Hart. Et puis, merci mon Ben. Ça fait plaisir, Joe. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Il y a juste sur le ring qu'on se tape sur la gueule. C'est ça. Et puis, voilà. Donc, le mot de la fin, mon ami. On se retrouve très bientôt pour un prochain Wrestle Rock Podcast. Soyez des nôtres, l'action ne manquera pas. Au revoir! I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N.W.O. The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."